Oui, bonsoir. Bonsoir les Bonsoir enfants. papa, bonsoir papa. Bonsoir papa. Comment Soyez la bienvenue. Ça va vous très allez? bien. Nous allons Je rends grâce au génie. Je rends grâce au génie. très bien. D'accord. En fait, moi, je suis quitté du Gabon et c'est moi qui vous ai appelé la fois dernière. Ah, d'accord. C'est le garçon qui m'a appelé avec 241. Oui. Et vous m'avez donné D'accord. rendez-vous pour aujourd'hui. Et ça fait fort longtemps que je suis dans la recherche du valise magique. D'accord, Et à chaque d'accord. fois, si je contacte les marabouts, ils me demandent de les envoyer l'argent. Et si je les envoie l'argent, ils prennent mon argent sans me Tu n'as satisfaire. jamais Ils de ne m'ont satisfaction. jamais envoyé. Ils me promettent de m'envoyer la valise par la DHL. Et à chaque fois, si je les envoie l'argent, ils ne m'envoient rien. Je me suis fait arnaquer plusieurs fois. Pas un, ni Ah deux, ni bon? trois fois. Donc, raison Et pour laquelle. ma fille, tu as le même problème qui t'a qu'est-ce qui t'a mené ici? Bonsoir papa, mon nom c'est Efoua. Donc je D'accord. suis dans la recherche de Et tu viens prostituées. de quel pays? Je suis ivoirienne. Ah, la voix me disait déjà. Donc je suis dans la recherche de portefeuille. Portefeuille magique, d'accord. Donc j'ai vu votre publication sur Facebook. Donc je vous ai contacté, on a causé. Donc vous Ah, m'avez dit. d'accord. Je me l'appelle. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent comme ça. Hé, mon garçon. Oui papa. Moi, c'est le frère de Cécile, la dame à qui vous avez fait le portrait. Comme moi, je suis ingénieur en construction bâtiment et en D'accord. Mozambique là-bas, c'est pourquoi moi, je suis venu vers vous pour la Il y a valise. quelqu'un encore, il faut les Oui, il y appeler a des tous. gens. Venez, venez, venez. Venez, Venez, il le faut maître les vous appelle. appeler. Oui, ils sont déjà. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. D'accord, papa. Il ne faut pas D'accord, avoir papa. peur. Donc, à chaque fois, vous tombez sur les faux. Ah, oh, vraiment, papa, voilà. Ce Ce problème, problème, j'ai été victime plus plusieurs de fois. six Hein. fois, papa. Vraiment, problème, Tout mes respects, ça papa. vient Papa, moi, toujours. il m'entrosque, ok? Ils sont en train de saler votre nom. Je vais vous dire de faire beaucoup attention parce que j'ai Oui. beaucoup entendu parler de ça. Ils m'ont dit qu'à chaque fois, ils tombent sur les faux. Or, ils sont en train de dévaloriser la culture, notre culture, le Vraiment, papa. patrimoine culturel de vos Ils sont hommes. en train de Le dévaloriser Bénin votre culture. est étant connu comme le premier pays de vaudou en Afrique complète. Vous voyez? Donc il faut savoir et faire votre choix, sinon vous aurez toujours les mêmes problèmes. D'accord, Mais papa. par la grâce de mes génies ici, vous Oui. avez la chance que vous êtes tombé sur moi aujourd'hui, Papa Ijo. Voici mon numéro, je ne Oui, sais pas papa. lire beaucoup. Ah, j'ai vu C'est ça. C'est Papa Ijo. le 229 68 28 88 94. Ok, D'accord, c'est bon, d'accord, papa. d'accord. Tu as vu ma fille? Oui, papa, Il j'ai faut vu tous ça. regarder, ça c'est mon numéro. D'accord, Ah, papa, papa, j'ai vu d'accord, ça. c'est mon numéro. D'accord. D'accord. D'accord, papa. Donc, il faut faire beaucoup attention. Je vais vous montrer ma puissance, ce que c'est que C'est pour ah ça qu'on est oui. là, papa. Papa, moi j'ai Et beaucoup appris sur vous. Je sais que vous faites votre nécessaire, mais faudrait, excusez-moi si je il passe sur ce faut ton. regarder mes Faudrait vidéos que partout je sur le dois monde voir entier. Il y a des maintenant. gens qui ont témoigné. C'est ce que je veux, c'est pour la valise, je veux maintenant, papa. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai déjà fait un portefeuille et une valise ici. Voici le portefeuille. Oui, Vous voyez, on a c'est remarqué. quelqu'un qui a commandé depuis Espagne. Il D'accord, est en papa. Madrid, il a dit qu'il est en Madrid. Vous voyez, Oui, 14 rue de Colorado. Donc, je vais lui envoyer cela par la DHL. Comme aujourd'hui c'est dimanche, demain matin, je vais lui envoyer. Demain très tôt le lundi. Vous voyez? Donc, papa. Oui, papa. sans plus tarder, je vais vous montrer ce que c'est que la valise magique. Je vais vous Ah, faire d'accord. la D'accord, démonstration de papa. la valise. Ça D'accord, papa. va me faire plaisir. Ça me fera beaucoup plaisir parce que D'accord? j'ai hâte de D'accord, voir papa. ça. Comme c'est deux personnes qui veulent la valise, je vais Oui. faire la démonstration de la valise magique. Vous allez voir. D'accord, D'accord, d'accord. papa. D'accord? D'accord, Ça me fera plaisir. Donc, voici la valise magique. Vous voyez? Oui, papa. Vous voyez la valise? Oui, papa. Oui. On peut voir à l'intérieur. Oui, ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Je vais vous montrer la valise magique. Vous allez regarder ce que c'est que la valise. D'accord, D'accord, vous voyez. papa. Oui, papa. Si quelqu'un vous a fait une valise magique sans ce statuette, il faut toujours dire que c'est faux. D'accord, D'accord, papa. papa. C'est ça qu'on appelle le génie Gambi. C'est lui qui gouverne tous ces génies-là. D'accord, Il faut papa. regarder. D'accord. C'est lui qui gouverne tous ces génies-là. Donc, ce que je vais vous dire, Oui, papa. sans ce statuette, la valise ou le portefeuille, ça ne peut pas marcher. D'accord, Vous papa. voyez? D'accord.
Donc c'est le secret qu'ils ont toujours caché. D'accord. Vous voilà, voyez, ça... non? Je peux m'approcher de près? Oui, tu peux. Ça n'a pas de problème. D'accord. Donc sans plus tarder, je vais vous faire une petite démonstration. Vous allez voir. D'accord. C'est ça qu'on attend. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc je vais appeler les génies tout à l'heure. D'accord. D'accord, papa. Et Vaudou à la FIA. Je vais fermer. D'accord, et ouvrir, vous allez voir et ce qu'on appelle miracle, vous allez voir ça. D'accord. Je vais fermer ça. Je vais bien fermer. D'accord, papa. D'accord, on me suit parfaitement. Il n'y a pas de problème. Donc, voici la valise. D'accord. Papa. Je l'ai déjà fermée. Oui, donc, je vais appeler les génies d'accepter la production. D'accord. Oui, papa. Donc, Ejo, oui, la richesse. Donc, je vais vous montrer ce que vous cherchez depuis là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Devant nous maintenant, ça va produire de l'argent. Ça va produire de l'argent, vous allez voir. Je serais vraiment content. D'accord. D'accord, les enfants. Vous voyez cet miracle. Et on va voir. Vous voyez. Donc, c'est le génie qui montre tout. C'est le génie qui donne tout l'argent. Je vais lui. Oui, il faut produire 8 millions. Il faut produire 7 millions. Il faut produire 5 millions. C'est lui qui gouverne tout. Ah bon? D'accord, papa. C'est lui qui appelle l'argent. D'accord. D'accord. Voilà des billets. Quand je vous fais ce. Les billets sortent, hein, papa. Voilà billets, oui. Mais l'argent sort dans le valise. Vous voyez, oui, c'est lui qui appelle l'argent. Mais je ne crois vous pas. Voyez, je ne crois pas cela. Vous voyez, c'est lui qui appelle l'argent. Vous voulez dire que. Papa, c'est lui qui va appeler tous les 8 millions. Vous voyez. Papa. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est lui qui va vous montrer tout ce que vous voulez. Vous voyez. Donc, voici la valise que vous cherchez depuis. D'accord. C'est lui qui produit les 8 millions. Je ne crois pas. Papa, moi, la valise a produit de l'argent comme ça. Oui, c'est comme ça. Vous voyez. Vous pouvez prendre l'argent là et bouffer. Ah, ça me fait plaisir. Je ne crois pas à cela. D'accord. Donc, la valise magique que je vous ai fait maintenant, ça produit de 800 000 à 8 millions. Ça te peut te produire de jusqu'à 10 millions. Ça dépend, moi, je dois rentrer avec ça. Ça dépend de ce que tu fais. Papa, moi, comme tu m'as déjà dit que tu as un travail, il n'y a pas de problème. Je ne fais pas à ceux qui n'ont pas de travail. Non, on a du travail. On a des gens responsables. Papa. Il n'y a pas de problème. Comme tu m'as dit que tu as du travail, il n'y a pas de problème. Je vais vous faire la valise là. D'accord. Donc, pour faire la valise à quelqu'un, il va seulement payer l'argent des ingrédients qu'on va utiliser devant les génies ici. Et c'est combien déjà? C'est combien? C'est 480 000. 480 000 seulement et je vais avoir la valise. C'est 480 000. Je n'ai plus rien dépensé. Oui, tu n'as plus rien à dépenser. Si tu veux que ça te produise et 8 millions. Mais si tu veux que je te fais pour que ça te produise 2 500 000 seulement, tu vas payer seulement l'argent des ingrédients des 2 500 000, ce qui fait 310 000. Mais papa, ça n'a pas de conséquences. Ça n'a aucune conséquence sur ta vie. Vous êtes sûr, papa? Très sûr, ma fille. Ça n'a aucune conséquence sur ta vie. D'accord? Donc, si vous avez des questions encore, il faut poser. Papa, moi, je n'ai pas assez de questions. Mais tout ce que moi je vous demande, est-ce que le voilà maintenant, l'argent est sorti? Est-ce qu'on pourra être en mesure de bouffer cet argent sans que rien ne se passe sur ta vie? Il n'y a rien qui va se passer. Sans des effets négatifs. Il n'y a rien. Si c'est ça, moi je vous sais que ça m'a. Je vous dis que c'est Papa Ejo qui vous a fait la valise magique. Il n'y a pas de problème. Ça n'a aucun problème, aucune conséquence. Ok, d'accord. D'accord, papa. Vous n'aurez jamais de problème. Si, Anna, si, moi je vais m'engager. Et comment je peux faire, pour rentrer avec la valise? D'accord. Pour ceux qui sont dans le besoin de la valise, qui sont à l'extérieur, ils veulent avoir la valise ou le portefeuille. Oui, papa. Il y a des gens, ils viennent, on va faire le portefeuille devant eux. Pour cela, vous voyez cette calebasse-là? Oui, papa. On va tuer un bœuf pour mettre le sang du bœuf là-dedans.
Et c'est le sang du bœuf là que tu vas te purifier avec, tu vas te rincer les visages là. Donc on aura besoin d'un bœuf et deux cabris. Vous voyez, un bœuf et deux cabris. C'est ça on va faire avec les tisanes. Tu vas te laver avec. Et rincer les visages avant de voir certains génies ici. D'accord. Sinon, cette valise-là, je l'ai déjà fait et c'est déjà là. Si je vais faire le portefeuille ou la valise devant la personne, oui, c'est ça qui fait qu'il va acheter d'abord un bœuf et deux cabris. Et cela me revient à combien? Oui, si tu vas faire toutes ces dépenses-là, tu vas trouver quelque chose de 920 000. D'accord, oui. Pour venir pour ceux qui sont en Afrique, je leur dis de venir avec 820 000. Là, on va faire tout devant eux, ils vont voir les génies. Parce qu'il y a des génies ici, avant de regarder tous ces génies-là, il te faut certains rituels d'abord. D'accord, je vois. Et si je n'ai pas les moyens pour descendre, vous voir ici. Et assister les rituels, comment il me faut? D'accord, c'est ça, tu vas payer seulement... Les 480 000, si tu as besoin de valise qui va te produire de 8 millions, oui. Si tu veux que la valise se produise 2 500 000 chaque jour, là, tu vas payer seulement 310 000. Et je vais faire, et je vais t'envoyer cela par la DHL. D'accord. Vous avez dit que vous n'avez jamais reçu un portefeuille par... Je n'ai jamais reçu ça. Ça m'a étonné. Je vais vous dire le secret aujourd'hui. Arrivé à la DHL, celui qui n'est pas un marabout reconnaissant, il ne peut pas... Envoyer un colis par la DHL, c'est interdit dans notre pays. C'est pourquoi ils ont peur d'aller à la DHL. Pour nous, qui ont été attestés par l'État, si vous n'êtes pas pressé, je vais vous montrer mon attestation. Non, vous en valez plus que ça. Avec ça maintenant, ça me suffit. Non, c'est pas l'attestation. C'est avec l'attestation, va à la DHL pour faire l'expédition du colis. Si sans l'attestation, on ne peut pas accepter à ce que tu envoies un courrier à l'extérieur. D'accord, papa. Mais ça m'a vraiment fait plaisir, papa. Vous avez pas de problème. L'essentiel pour moi, c'est le résultat du travail. J'ai obtenu un bon résultat, papa. Donc, je vous suis vraiment reconnaissant, monsieur Edio. D'accord. Comme aujourd'hui, c'est dimanche, je me repose. Je ne fais pas de travail. Comme vous êtes nombreux, c'est pourquoi j'ai pitié de vous pour vous montrer. D'accord, papa. Et ce que c'est le portefeuille et la valise. D'accord. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir. Je vais vous souhaiter une longue vie. Merci parce beaucoup. Que vous avez mérité. Merci beaucoup. D'accord. Donc, on va se dire à tout à l'heure. Il faut dire à tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Les réseaux sociaux. Vous pouvez publier sur YouTube et Facebook, partout. D'accord, papa. D'accord, à tout à l'heure.